Salut à tous les amis, c'est Seven, c'est le Cabaret, et on se retrouve pour l'épisode numéro 17, il me semble. Comme d'habitude, je ne sais pas quel épisode nous en sommes. Et voilà, je me suis trompé, on est à l'épisode 7. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la tenue des Templiers. Donc j'ai fait les 4 vidéos des Templiers que je mettrai à la fin de mon walkthrough. Et donc on va continuer l'aventure que j'ai arrêtée depuis longtemps. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi fini les châteaux. Voilà, les châteaux, les forts de châteaux. Pareil également, je les mettrai après le walkthrough. Et donc voilà, j'ai continué un peu, enfin j'ai fait toute la map à 100%. Enfin au niveau des villes, j'ai pas encore eu le courage de faire tous les petits coffres, les fragments, etc. Donc bah du coup on va aller direct et on va aller directement. Donc j'ai amélioré le bateau, logique. Depuis le temps que j'ai pas joué. Depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin ça fait pas non plus 30 ans, hein. Ça fait une semaine grossièrement, j'avais tourné les autres épisodes et puis oups, c'est l'autre côté. Puis je me suis arrêté pour améliorer le bateau, etc. Donc j'ai mis la voile élite, la barre élite. Ah attends, t'as la voile là-bas et la proue élite, donc c'est une tête de mort assez belle en or. Donc voilà, j'ai rajouté plein de canons. Il va me rester deux améliorations. La coque est améliorée à 100%. Bon, bientôt je prévois de faire les bateaux légendaires et de les mettre pareil à la fin. Donc ouais, ça fera 4 épisodes d'attaque de fort, 4 épisodes de templier, et enfin 4 épisodes de comment ça s'appelle, de bateau légendaire. Allez, on lance la mission. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On vous a attaqué? Ils n'en ont pas eu l'occasion. C'est Barbe Noire qui a frappé le premier. Il a ouvert le feu sur un manoir anglais, cette charogne. Pourquoi elle a fait ça, Ben? Il cherche toujours ses foutus remèdes. Mais si tu veux mon avis, il est devenu fou. T'en fais pas, je vais le ramener. Il se débrouille. Il l'a bien cherché, après tout. Donc, apparemment, vous en allez chercher à Barbe Noire. Sauver les survivants. 5. C'est une quête annexe, c'est ça. Sauver les survivants. Est-ce que ça veut dire que je veux sauver les gens qu'on voit à la baille? Sur bâbord! Il y a une belle cargaison ici, capitaine! Non, mais il y a mon fossé en plein milieu. Allez, bon! On va mettre! Je veux de la vitesse! J'ai l'impression qu'il y a plein de petits trucs d'or qui se sont mis contre un peu partout. J'ai pas l'impression que c'était comme ça avant. Je rêve peut-être, je sais pas. Sur les rampes et tout, il y a l'air d'avoir un peu d'or partout. Donc si jamais vous entendez des bruits, c'est mon frère et ma mère qui rentrent. Voilà. C'est dit. Diminuez les voiles! Vivement les gars, ou toute la toile, plus vite que ça! Ah, là, il y a un survivant. Non, j'en ai oublié. On va aller le chercher direct. Je suppose que c'est ça, les survivants qui parlaient. Alors, voyons voir. 1 sur 5, ouais, c'est ça. Je la vois. Espérons que Satch n'a pas subi le même sort. Envoyez la grande voile! Envoyez toute la toile, en route! Donc j'ai baissé un peu. Alors, hop! Voilà. Donc c'est la copie qui va mettre sur Skype. Ça dépasse les bornes. Je devrais pas avoir autant de mal à trouver ces caisses de remède. Je pensais pas à ça. Je parle de la querelle de coffre entre Satch et Ornigold. Je m'en fous. Ouais. Du cœur, capitaine.
Ils peuvent tous les deux protéger l'assaut. Mais pourquoi ils s'acharnent? Pourquoi sauver une personne qui vaut rien? Ouais, tu peux pas fait pour gouverner. On prend, on pense, on mène la grande vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Au diable la politique. Ce qu'il faut, c'est de la richesse et du pouvoir. Si on trouve l'observatoire, on aura de quoi se payer toute l'Angleterre. Et peut-être bien, il écrasera tous ses rois et ses empereurs, vulgaires paysans. Tu rêves de bon, capitaine. C'est pour ton équipage que tu navigues. Toi, je tiens. Ça, ça me plaît pas. J'ai l'impression d'être un foutu garçon de course. Toi, tu m'énerves. Ah, c'est pas possible, il y a des bateaux partout. Il y a des mines à l'eau, capitaine! Allez, on va prendre le vent! Gardez les huniers! On va les couler, faites sur le vent. Il va voir s'il est sur le vent aussi. Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. On attend les ordres! Ça va tout l'air d'être un peu plus qu'à poil! Allez, bande de fainéants, tous au voile! Le vent est en train de... Allez, tirez de bordée, attention! Ça ne rigole pas. J'espère que je peux avoir les survivants même dans la zone V. Plus de toile, diminuez les voiles. Ça reste le campement de l'été. Perdez la grand voile, gardez les perroquets. On peut être bien tout à l'heure. Pousse la toile. Réduisez la toile. Crepez et serrez les cacatois, vite. Plus de toile. On va y en mettre. On va y en mettre. Je crois que c'est bon, capitaine. Tu les emportes. Il reste que des planches. Attends, l'autre bateau. Attention avec cette route. Là-bas. Allez, hop, on va là-bas. On va mettre. La zone se situe. Bref. On va prendre le dernier survivant et on va essayer de... Hop, il y en a... Sur bâbord ! Là-bas, un homme à la mer ! Voilà. Le dernier est déboire à la cale ! Un navire de guerre approche, capitaine ! Brigade ! C'est là qu'il faut tirer ! Parez à faire feu ! Un tir bien ajusté lui ferait traîner la patte ! Prête à faire feu ! Je suis désolé si vous entendez des tapements, c'est mon ami et mon frère. Cet emplacement de baleine blanche a été partagé avec vos amis. J'ai même pas vu qu'il y avait une baleine blanche. Ah oui, il y a l'air d'avoir un bateau. On va aller voir. J'arrive! Je finis de record! Désolé, il va falloir que j'aille manger. Désolé si vous avez entendu ça. Là-bas, il est. Je suis sûr que c'est lui. Le
l'espoir du drapeau. Ouais, si, si. On entend pas un bruit, c'est... Adé, regarde là-bas. C'est lui, le Queen Anne's Revenge. Il est en mauvaise posture. Pas le temps de voter. Satch est en danger. Satch est débordé. Je vais à terre. Je reste prêt sur le jackdaw. Bon, allez hop, ça y est. Dans l'eau, hop. On va sauver Satch. Oh. Tuer. Hop, ok. Il est fini, ça tombe bien, on est sur moi. Tous les démons de l'enfer, Satch. C'est bon, j'ai réussi le deuxième défi, maintenant, normalement, je pense que je suis tranquille pour cette mission. Aïe, il y a un galion pas loin. Et si on s'y fait, je leur tente à pied aux mains, on pourra l'attaquer. Ouais. Il n'est pas ton fort, hein, Satch? Les légendes ne se nourrissent pas d'indulgence. Faut-il que je remonte sur lui? Sur mon bateau pour protéger ses potes. Notre galion a réapparu. Attention! Non, non. Remontons à bord et plus vite que ça! Oh, je prends la barre, je vais pas me battre. Oh, je n'en peux plus! Retrouvera ton jackdaw quand nous y verrons plus clair. Pour l'instant, j'ai besoin d'un homme à la barre! J'ai fait un bateau et beaucoup plus connu. Déjà, il a pas l'air d'avoir de mortier, ça c'est. Un gros problème. Pas non plus des fonds. What? Ne le perds pas de vue! Trop lourd, est-ce que je vais te tuer? Être facile. Mon point faible, c'est là qu'il faut tirer. Ici, il a tiré un coup. Il est vulnérable à cet endroit. Mon point faible, c'est là qu'il faut tirer. Viens sur lui, Calouet. Oh, je suis mort. Oh, ça va être dur. Et ce galion qui nous tendait les bras. Je vois le diable que tu m'avais promis, Satch. T'as passé loin. Je t'aurais montré un ange s'il savait demander quartier. On ne peut plus reculer. On l'a brisé, les gars. Envoyez-les en l'enfer. Capitaine, et achève-le. Et c'est pas bon. Ah là là, il est. Tu n'es pas dans mes habitudes, commandant. Si vous aviez daigné prendre au quartier, vous ne seriez pas en train de saigner. Tu vas goûter au mousquet, crevure. On te pendra et tu sécheras au soleil comme ces crapules de Boston. Le roi va faire son pardon.
Capitaine, on a fouillé la cale. C'est misérable. Mais les remèdes qu'on a trouvés viennent tous de Charlestown, c'est certain. Merci, Monsieur Hans. On ne pourra jamais ravitailler Nassau en comptant sur la force et la chance. Va falloir aller les prendre à Charlestown. Sommes-nous victorieux ? Je crains ne pas être bâti pour supporter les rigueurs de la vie d'un gentilhomme de fortune. Retrouve-moi à Charlestown. Dans un mois, jour pour jour. Oui, 100%. Je veux dire. Bon, on va repartir directement pour la prochaine mission. Tac, c'est par là que ça se situe. Ouais, je suis 16505ème parmi les pirates les plus prospères. Avant, faut que je refasse un petit truc vite fait qui a encore été retiré, je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne vidéo, sous-titre. Enfin ton propre pavillon. Oui. Oui, Barbe Noire m'a donné congé, hélas. Je vais devoir me débrouiller tout seul. Eh ben, c'est formidable. Oui, c'est pour le mieux, je pense. J'aurai sans doute des prouesses à raconter lorsque nous nous reverrons. Edward, le plus grand trésor que j'ai trouvé sur ces mers est votre indéfectible amitié. Bien davantage que l'or, l'argent et le rhum, je chéris le courage que vous m'avez inspiré cette année. Merci, mon ami. Et que la fortune ne cesse jamais de vous sourire. De vos femmes, de vos familles et de vos compatriotes? Alors comment expliquer le désintérêt complet des autorités pour vos vies? Des otages contre des remèdes! C'était ma seule demande! Et j'attends. Jour de ce foutu silence de mort. Je crois comprendre. Vous devez être les parias de Charlestown, et je ferai encore mieux de me servir de vos viscères comme appât et de faire de la colle de vos os. Par le Christ! C'est bien mon problème. Ou je vous tue, ou je vous plie à mon service. Une décision que je ne suis pas pressé de prendre, mais je n'aurai aucun remords. Oh, Edward. À quoi est-ce que tu joues, bon sang? Toute la ville peut voir cette farce. C'est l'intention. Hors de portée, mais bien visible. Alors, les remèdes sont où? On a envoyé un groupe à terre négocier avec le gouverneur. Ça fait une semaine. Depuis, pas un mot.
je m'en charge. Donne-moi une journée. Il y a du mouvement là-bas. Ce sont des soldats? Ouais, ils ont l'air bien pressés. On ferait mieux de les suivre. Au cas où. Oh, j'ai regardé vite fait où on est sur la carte. Je sais pas, ça a l'air d'être une carte fait exprès. Plus de toile, défaire le tout. Qu'est-ce que t'en penses? Barbe Noire est déjà là depuis 8 jours. Je suis prêt à parier que quelqu'un préparait les remèdes. Ok. Ah, j'ai pas très bien compris ce qu'il fallait faire. Pourquoi c'était en vert, je sais pas. Lui, trouvons. J'ai pas eu le temps de lire. Il y a du mouvement là-bas. Ce sont des soldats? Ouais, ils ont l'air bien pressés. On ferait mieux de les suivre. Au cas où ils prépareraient une surprise. Suivez la famille. Profitez de ce vent. Qu'est-ce que t'en penses? Barbe Noire est déjà là depuis 8 jours. Hors les zones, sur les mots, je suis prêt à parier que quelqu'un préparait les remèdes. Au cas où. Ah, il traîne les pieds. Il cherche un moyen pour pas payer. Oui. Trouvons l'endroit où il les garde. Et on aura notre chance. Attention, capitaine, on dérive vers une tour de guet. Tenez les bonnets. Jack Dar n'a rien à faire. Ce sera un miracle si on ne voit pas. Profitez de ce vent. Voilà une autre tour de guet. Plus de toile, des fers. C'est une map qu'on pourra visiter. On doit prendre au moins. Et voilà Mima, capitaine. Faut pas prendre de vitesse. Profitez de ce vent. Attention aux rives. On pourra pas passer sans se faire repérer. Et je vois pas d'autre chemin. Y a toujours un autre chemin. Arrêtez tout. Et hop, dépêche-toi quand même. Et déferler la grand-voile. Je les vois, là-bas. Espérons que le fleuve reste aussi large. Ce navire est taillé pour la mer, pas pour s'y faire. On doit prendre au moins de vent. Si on s'échoue, on sera fait comme des rats. Donne un peu de toile. Je sais pas du tout si c'est pas. Pas qu'ils voient qu'on les suit. Donnez les bonnets. Maintiens le cap, capitaine. J'ai pas mis. Carguez jusqu'à la grand voile.
Serre toute la toile. Donne un peu de toile. Que je fais ? En profiter de ce vent. Il s'éloigne, capitaine. Je vais devoir continuer seul. Je reviendrai. Avec Hiromed. Aïe, sir. Je suis en train de dire, moi. Où je vais ? Déplacer un côté lui, utiliser les flèches sur toi. Pour éviter que tu te sois. Est-ce que toi heureux que son navire soit toujours à l'ancre et pas dévasté? Ouais, je le refasse avant même ce moment-là. Je le rajouterai certainement à la fin. Ah, il ira par les avoines. Jusqu'au dernier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? Tu as vu des crocodiles ce soir? Je suis sûr que quelque chose est passé à côté de chez toi. Non? La nuit est calme. C'est sûr? J'ai entendu quelque chose dans l'eau. C'était calme. Ouais. Allez, le capitaine attend. Hop, je vais dormir. Vous y êtes prêts. Tant mieux. Le capitaine Moyen ne peut pas attendre. C'est une mauvaise idée, en même temps. Non. Mais shit. À cause d'un crocodile, quoi. We love so, we love so, na 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 na. C'est dingue ici, c'est vraiment ultra look. C'est vrai qu'il y a un...
Hop. Et déjà, je vais retirer mon chien. Alors, j'aimerais bien dépecer. Il a l'air d'arriver de nulle part. Mes excuses, sœur. Il y a eu un accident. Avec le première classe Simon. Un crocodile, sœur. Je n'ai que faire de vos accidents. Quelles sont les nouvelles du port, soldat? J'écoute. Rien de neuf, sœur. Ils sont toujours là. Mais à ce qu'on a pu voir, eh bien, ils n'ont encore touché à aucun prisonnier. Le moment est peut-être venu de... Peut-être venu de se rendre? On m'a confié la charge de la ville et je n'ai pas l'intention de céder aux exigences d'un pirate. Quelle que soit sa réputation. Oui, sœur. Tant que je détiendrai les clés du magasin, personne ne touchera à ces remèdes. Que la peste et la calamité les emportent. Pauvre abruti. Qui es-tu? Les pirates! Je vois leur navire! Les pirates! Repliez-vous au manoir! Keep the slippery bastard in sight, boys! Voilà, c'est toujours plus chaud. Ça fait le ouf. Je pense qu'il faudra que je déplace les crocodiles à une autre plus tard. What? Elle est pas perdue la cible. En fait, il faut vraiment que je les esquive. Je peux même pas me permettre de les tuer. So. Noir, t'as fait la meilleure offre qu'un homme ait jamais reçue d'un pirate. Tu peux maudire ses méthodes, mais il ne voulait que des remèdes. Et il va les avoir. T'aurais mieux fait l'accepter, mon gars. Il est de retour, capitaine! Alors, Edward? Deux caisses. Toi, préparer toutes les doses dont t'auras besoin. Ah, très bien pensé, petit. Par les temps qui courent, c'est rare. Vous entendez, monsieur Rags? Mon jeune ami qui revient chargé de présents vient de sauver votre cou décharné. N'a-t-il pas droit à votre gratitude? On devrait quitter ces eaux, Satch. Le gouverneur va faire venir d'autres soldats. Non, vas-y, toi. J'ai une affaire à régler au Nord. Tu t'en vas, c'est ça, hein? Tu nous abandonnes? Et Nassau? Écoute, petit. Je suis en train de boucler ma quatrième décennie. Et si je ne trouve pas le moyen de faire de la cinquième un voyage serein et tranquille, je préfère sombrer devant les portes de l'enfer que de continuer à me faire passer. Pour un capitaine. Allons, petit, on se reverra. Dans ce monde. Ou chez Neptune. Mais 81 et 90. Je suis acidé, je sais pas comment on peut faire pour dépecer un crocodile. Enfin, toujours est-il que je la referai la mission. Enfin, je la referai juste le moment où je dépasse le crocodile. Puis je prendrai une photo à la fin. Pour dire j'ai fait à 100%.
Donc les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye. Peace. We'll be right back.